Bonjour à tous, bienvenue sur Mistral TV pour ce nouveau numéro de Et si on en parlait. Dans cette émission, on rencontre des gens qui nous rassemblent, des gens qui créent, des gens qui nous font sortir, des gens qui nous font visiter la région, qui organisent. Et c'est le cas de Laurent Garnier que j'accueille aujourd'hui, enfin plutôt qui nous accueille, puisqu'on est ici chez vous à Saint-Nazaire. En Royans, vous êtes le gérant de la société de navigation. On expliquera, on commence à comprendre avec le décor qui est derrière nous, décor magnifique aujourd'hui qu'on vous invitera à visiter. Société de navigation et d'activités touristiques de Saint-Nazaire en Royans. Les activités sont nombreuses. Il y a le bateau Royans-Vercors à bord duquel on se retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission avec d'autres invités. On va même parler de salsa pour vous dire sur l'eau. Tout est possible sur le tout bateau, j'ai l'impression. On en parlera avec tout à l'heure, on retrouvera l'hôtesse et le capitaine qui nous accueillera à bord avec des visiteurs d'ailleurs, des touristes qui seront là. On fera la visite avec vous comme vous pourrez aussi la faire pendant la saison. On ouvre avec cette émission en quelque sorte la belle saison de soleil, d'été, peut-être même de vacances, sans aller trop loin, même si vous êtes en Ardèche ou dans la Drôme. Peut-être ne connaissez-vous pas ce site, ces sites. Alors on va commencer par ça, Laurent Garnier. Au total, il y a trois, même quatre sites que vous gérez. On est aux confins de la Drôme et de l'Isère. Ici, on est toujours dans la Drôme, à Saint-Nazaire-en-Royans. On va se retrouver tout à l'heure sur la rivière Isère, à proximité du jardin des fontaines pétrifiantes. Oui. Donc là, on est à la Saône, c'est côté Isère. On est pas loin, Saint-Hilaire-du-Rosier, c'est ça ? Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Marcelin. Voilà. Très près de Saint-Marcelin. Et puis, on parlera aussi, on va d'ailleurs commencer par cela, sur place, on va commencer, j'allais dire chronologiquement, avec l'histoire de la grotte de Taïs, que vous gérez également. On va également rapprocher immédiatement la grotte de Choranches, oui, puisque donc tous ces sites sont reliés en quelque sorte. Tout à fait, on est propriétaire des quatre sites, c'est une entreprise familiale, et on est passionné par les sites de nature et les sites de grottes. On est des passionnés de spéléologie, et donc l'idée c'est de faire découvrir au plus grand nombre ce monde souterrain, entre-ouvrir un peu la porte. Alors ici à Taïs, ce qui est particulier, c'est que déjà c'est une grotte qui est au cœur d'un village, caché sous les maisons pratiquement, avec une très belle rivière souterraine où les plongeurs peuvent explorer les galeries noyées. Et les visiteurs, eux, vont surtout découvrir d'abord l'habitat préhistorique, parce que l'homme a habité ici il y a 15 000 ans, et finalement, vous voyez, ils ne sont jamais partis. Et puis, surtout, la forme de la galerie qui est très, très particulière, très déchiquetée. Un vrai labyrinthe. Voilà, c'est ça, un vrai labyrinthe. Autant, vous avez parlé de Choranches, c'est plutôt des galeries vastes avec de grandes rivières. Là, c'est une grotte un peu plus petite, un peu plus mystérieuse. Mmh. Les enfants sont ravis, c'est un vrai décor de cinéma. Avec ces espèces de petits trous, on se demande ce qui va nous attendre. Une roche très déchiquetée. Et puis aussi une couleur très particulière, parce que ici à Saint-Nazaire, vous le verrez lors de la croisière, il y a des roches très rouges. Mmh. Et ces roches rouges ont coloré la grotte, les stalactites et les stalagmites. Donc ça donne un paysage inhabituel et moi qui m'enchante à chaque fois. Choranches et Taïs fonctionnent de la même façon? La visite se fait pareillement? Alors nous sommes sur des visites séparées. Chaque client peut acheter le ticket pour visiter la grotte. On aura par contre une manifestation particulière le 6 juin pour la première journée mondiale des grottes. On va faire un billet groupé. Pour une personne qui visite Choranches, eh bien il aura Taïs offert. Ouais. Et inversement, ça va permettre aux gens de découvrir eh bien ces deux univers très différents. Comme vous l'avez dit, souvent on méconnaît nos régions et il faut la découvrir. Donc les habitants de Saint-Nazaire en Royans, ici, vivent au-dessus de ce monde souterrain merveilleux que vous nous proposez de visiter. Oui, tout à fait. Alors depuis d'ailleurs 1800, les gens, il y avait des formes d'aménagement, on rentrait dans la grotte, il y a des tas de labyrinthes, il est raconté que plusieurs sorties sortaient dans des caves, voire même dans des réserves de bars. Ouais. Alors les enfants essayaient d'aller chercher un petit peu les bouteilles qui s'y cachaient. On raconte aussi que quelquefois il y avait des rencontres peut-être amoureuses. À vrai dire, vous savez, dès que c'est caché, qu'on est... on se dit, il se passe des choses. Mais c'est un... Oui, ça fait, c'est quelque part, c'est l'histoire du village. Mm-hmm. L'aqueduc aussi, évidemment. La grotte de Taïs, l'aqueduc et le bateau. Ben maintenant, c'est vraiment l'emblème de ce joli village du nord Drôme qui est très accueillant aux portes du Vercors, aux portes de ce Royans-Vercors. Vous disiez entreprise familiale. Vous êtes de la région? Vous avez découvert le lieu? Alors, ça on s'est est passé originaire de Valence, ouais, trois familles, mais passionnés de spéléologie. Et dans les années 50, mon père notamment, M. Pommier, Mantovani,
créent un club de spéléo, vont participer à la fédération, à la création de la Fédération française de spéléologie. Ah oui. Ils sont vraiment enthousiastes à l'idée de découvrir le monde souterrain. Et c'est ça qui va les rapprocher des grottes et finalement les pousser à en acheter une. Ils tombent amoureux de cette petite danseuse, de cette grotte de Choranche. Et c'est l'aventure touristique qui commence et puis qui va continuer par le bateau, le jardin et la grotte de Thaïs qu'on va racheter à des amis aussi spéléologue, Roy, bien connu dans le pays, et puis avec qui d'ailleurs j'ai appris ici à travailler, à plonger dans ces galeries souterraines. Ouais. C'est un monde de passion. On entend ça, on le voit. Et on parlera de l'histoire du bateau lorsqu'on sera à l'intérieur. Beaucoup de visiteurs chaque année, le site est vraiment connu des Drômois, des Ardéchois, au-delà. Ici, on regroupe 85 000 visiteurs, ce qui est déjà important, sur les trois sites. Et puis 100 000 visiteurs, là, ce qui est déjà beaucoup plus important, uniquement sur Choranche. On est une petite entreprise, on a 26 employés, donc vous voyez, c'est quand même une forte activité, le tourisme. On est fiers de pouvoir donner du travail aussi à des gens, et puis surtout de pouvoir les accueillir correctement, parce que je suis pour l'accueil humain. Les gens doivent transmettre cette passion de notre territoire, de cette nature, de cette histoire de la Bourne, la rivière, la Bourne, de l'Isère. Voilà, c'est vraiment ce qui nous emprunt dans cette passion de mettre en valeur les choses. Vous verrez le jardin des fontaines pétrifiantes, par exemple, c'est exactement ça. Une ancienne décharge au pied d'un fabuleux château médiéval, et bien maintenant mis en valeur pour le plaisir des yeux et des visiteurs. Merci Laurent Garnier. On se retrouvera donc à bord de ce bateau Royan Vercors dans quelques minutes. On racontera son histoire, on dira comment il fonctionne. On parlera aussi de salsa, comme je vous le disais. Ça peut paraître étonnant, mais vous verrez, ça va être assez rythmé comme rendez-vous, comme régulièrement sur Mistral TV dans cette émission. Et si on en parlait, et on va naviguer dans quelques minutes. À tout de suite. Et nous écoutons les Malabar String, qui étaient d'ailleurs en concert à la Saône il y a moins d'un mois de cela. Ça va swinguer avec eux sur Mistral TV. The glove of sunrise, burn kisses, singing all that gone its way. For the passion that thrills love, if you hate forever, all the passion that kills love, let both well. So when it starts softly, and in an evening sunset, love will give you glow, you're down and all the way.
yeah. Play me on the cloud of sunrise, burning kisses, singing over the way. For the patient that feels slow, get your head river. All the patient that kills slow, let the boat well. So when it starts softly, and then an evening sunset, love will give you glow, we'll tell it all the way. Bienvenue à bord du Royan Vercors, donc ce bateau à roues avec quelques touristes, des visiteurs qui, comme nous, comme vous bientôt, faisons ce voyage sur l'Isère avec celle qui est notre hôtesse aujourd'hui, qui nous parle dans les haut-parleurs pendant ce tour de 90 minutes, c'est bien ça, c'est Sonia Guillet. Bonjour Sonia. Bonjour. Fait combien de temps que vous faites la visite et la balade sur l'Isère là ? Ça doit bien faire une bonne dizaine d'années maintenant. Ouais. Vous êtes originaire de la région ? Oui. Donc vous connaissiez déjà un peu les lieux ici ? Oui, je connaissais un petit peu le site, oui. Et alors, on va expliquer comment se déroule cet aller-retour, hein, finalement, puisque le point le plus lointain, c'est lorsqu'on passe du côté des fontaines pétrifiantes, c'est ça ? Oui, les fontaines pétrifiantes se situent à 8 km de Saint-Nazaire-en-Royan. C'est le dernier point de la croisière, avant le retour sur l'autre village. Donc là, on file à 10 km/h, hein, à peu près, avec un site remarquable, bien évidemment l'Isère, les abords de l'Isère. Qu'est-ce que vous expliquez au public, qu'il soit de la région ou d'ailleurs ? Je leur explique que l'Isère, c'est une rivière assez particulière, grâce à sa couleur toujours un petit peu étrange, qui lui donne des reflets toujours très particuliers et surtout à son aspect extrêmement sauvage. Les bords de rivière ne sont pas aménagés, on retrouve une nature vraiment brute. Sans aménagement sur les côtés, on ne voit pas d'habitation, on voit vraiment de la nature. Avec beaucoup de marécages et roselières, ce qui permet à certaines espèces d'oiseaux de faire leur nidification. Alors avec un peu de chance, on peut apercevoir effectivement la faune qui vit, qui évolue autour de nous. La flore aussi sympathique selon les époques. Oui bien sûr, là au départ de la croisière, on a vu deux types d'aigrettes, aigrettes garzettes, grandes aigrettes. On a vu deux types de rapaces, le milan noir. On a vu également la buse. Et un petit peu plus haut, en amont, on verra aussi la nidification des hérons cendrés qui a commencé. Alors, je disais au fil du temps, au fil des saisons, on découvre différemment le site, j'imagine. Oui, bien sûr, chaque saison est différente. Au printemps, on retrouve beaucoup d'oiseaux en période de nidification. L'été, c'est une période aussi très intéressante. L'automne est vraiment aussi une saison particulière avec les couleurs d'automne qui colorent la rivière. Vous savez à peu près d'où viennent les touristes ici, des quatre coins de France ? Oui, des quatre coins de France. Beaucoup de public hollandais, notamment en juillet-août. Il y a beaucoup de bateaux comme celui-ci, dans un rayon assez large. Non, il est unique, unique en son genre. Nous sommes les seuls à proposer ce type de croisière sur la rivière. Eh bien, merci Sonia, et je reviendrai vous voir lorsque nous passerons devant ces fontaines pétrifiantes qui m'interrogent beaucoup, et vous nous expliquerez comment elles se sont créées. Avec plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Toujours à bord du Royan Vercors, toujours sur l'Isère, à proximité du village de la Saône. Donc on est même dans le département de l'Isère maintenant. Mais on va vous donner un rendez-vous avec des personnes qui font danser la Drôme, qui font danser Romans en particulier. Et il s'agit de l'association Salle City. Donc nous allons faire la connaissance de Caro et Jo. Bonjour. 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 Alors, on va parler de salsa ici à bord de ce bateau. Alors c'est pas anodin, on ne s'est pas donné rendez-vous comme ça ici. Ils n'étaient pas parmi les touristes. Vous allez faire danser la salsa, entre autres, hein, parce qu'il y a des tas de déclinaisons, on va en parler, mais ici, le 9 juin, sur le bateau. Exactement. Salsa Haiti a pour objectif de faire danser le milieu de la salsa dans le patrimoine de Romans et de la région. Donc sur un bateau, tout est possible alors ? Tout est possible, il a fallu demander. Et il y a des gens qui sont très ouverts, qui veulent aussi présenter leur patrimoine d'une autre façon. Ils ont tout de suite dit oui.
Alors comment ça va se dérouler? On va arriver, tout le monde a réservé, vous enlevez j'imagine tous les bancs qui servent au public habituel de s'installer ici et d'admirer le paysage, et ça va devenir une piste de danse quoi. Voilà, un super parquet, donc un bel espace, et puis une traversée, donc au cours des flots, là, on va pouvoir danser sur les rythmes afro-caribéens. D'accord, parce qu'on aurait pu imaginer qu'il reste à quai, non, vous faites la balade ou quoi hein. On fait la balade et surtout, on rajoute aussi un thème donc, à cet événement. Les gens vont pouvoir aussi emmener leur pique-nique, leur propre pique-nique, ouais, pour pouvoir être dans le partage, non pas tout simplement danser, mais partager un super moment tous ensemble. Alors ça, c'est une grande première, ça, pour le coin, là, pour les parages. Mais jusqu'où iront-ils? Vous avez des idées un peu folles comme ça? On peut peut-être pas tout dire tout de suite. Non, vaut mieux pas, parce qu'on a vraiment on a de l'ambition, mais avec le patrimoine. Donc, c'est pas juste la danse, Salsa Haïti, c'est pas juste la danse, parce que la danse, c'est la passion de ma femme avant tout. Et moi, ma passion, c'est le patrimoine. Et donc, il a fallu trouver une solution pour lier, en fin de compte, ces deux choses. Donc, on s'est dit, pourquoi pas marier, en fin de compte, la danse et le patrimoine. C'est de là que nous est venue l'idée. Et si on parlait du patrimoine de la salsa alors? Parce que c'est un art de vivre, c'est pas que de la musique la salsa, ça se ressent. Ça se ressent, mais c'est un grand patrimoine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, la salsa c'est la première danse dansée en France. Donc les gens sont très demandeurs et cette danse est passée numéro 1. Donc tout le monde danse en France, en Europe et dans le monde entier. Et à Romans, vous êtes nombreux? Alors oui, quand même. Donc nous, on est une jeune association, on a commencé en septembre, là, à Romans. Et on a quand même une soixantaine d'adhérents, déjà, pour cette première année, on est très contents. Et puis voilà, on veut effectivement communiquer toute cette tradition afro-caribéenne, puisqu'il vient d'Haïti, donc on a envie de communiquer ça dans la simplicité, dans voilà, le partage, et puis la convivialité, on va dire. C'est ça, Salsa Haïti, Haïti, mais oui. Comment ça se danse, la salsa, là, pour les puristes et ceux qui ne le sont pas? Bah, comment ça se danse? Il suffit de venir chez... Sans le montrer comme ça, comment on l'explique là? Pas facile, hein? Pas facile, c'est juste une histoire de chaleur, de soleil, d'énergie et de racines. Donc à partir de là, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de découvrir autre chose, eh ben Salsa Haïti est là pour ça. Eh ben voilà, rendez-vous le 9 juin donc pour danser ici sur le parquet. Donc il y aura la musique, tout ce qu'il faut. Et le soleil, n'est-ce pas? Oui, de toute façon, il sera là quoi qu'il arrive, même si c'est en soirée. Et rendez-vous pour les prochains rendez-vous pour les événements que vous n'osez imaginer encore. Et ça va faire bouger Romans et la région, c'est bien. Bah, nous, on veut absolument faire bouger Romans parce qu'on croit en Romans. Romans, c'est une ville qui est très intéressante, riche en patrimoine. Et il faut savoir que notre centre historique à Romans même, c'est le deuxième centre historique après Lyon. Donc l'architecture est similaire et ça, les gens ne le savent pas encore. Donc on a envie aussi que les gens d'ailleurs, de Lyon, de Grenoble, de Montélimar, arrivent jusqu'à Romans pour danser et pas simplement danser, mais voir comment il fait bon de vivre à Romans. Et nous, on y croit. Et la salsa va nous y aider sans aucun doute. Rendez-vous dans le centre ancien de Romans bientôt alors. Exactement, parce que... Donc pour la rentrée prochaine, la saison prochaine, nous allons donner nos cours dans un hôtel particulier. Donc c'est l'hôtel le plus visité de Romans, il faut le savoir, qui est riche en histoire aussi. Et c'est à l'intérieur que nous allons donner nos cours. Et cet hôtel s'appelle l'hôtel de Clérieux, qui se trouve derrière la collégiale, sur la place Maurice Faure, bien sûr. Voilà, l'hôtel de Clérieux, magnifique, bien connu, effectivement, de tous les amoureux de patrimoine. Merci Caro, merci Jo. A bientôt ici sur le bateau, sur l'Isère, pour cette soirée salsa. Et il y en aura d'autres, apparemment ça s'annonce bien tout ça. Et on se retrouve peut-être avec le capitaine tout à l'heure, à tout de suite. Et quoi de mieux que d'enchaîner avec Yuri Buenaventura, qui va participer au Crusol Festival, premier du nom. Il sera en concert le 9 juillet au pied de Crusol à Saint-Pérès.
C'est déjà le chemin du retour à bord du bateau. Nous revenons dans la Drôme, nous revenons à Saint-Nazaire-en-Royans. On n'y est pas encore tout à fait puisqu'on est à hauteur du village de la Saône avec ce fameux jardin des fontaines pétrifiantes qui sont là à côté de nous. C'est une histoire de pierre, une histoire d'eau qui se marie et qui donne un résultat fascinant. Oui, complètement. Le jardin des fontaines pétrifiantes, il est ouvert au public depuis 1994. Et ce jardin, que l'on découvre bien sûr lors des visites, eh bien, est fait autour d'un espace minéral aquatique naturel. Il est fait autour de sources pétrifiantes, il est fait autour de tuffières. Les sources pétrifiantes, ce sont des sources qui sont gorgées de calcaire. Il y a à peu près 315 mg de calcaire par litre d'eau. Lorsque l'eau sort de terre, le calcaire que l'eau contient se pose sur des mousses, des végétaux, des feuilles. Et progressivement, les végétaux avec le calcaire vont durcir et se transformer en pierre. Cette pierre, c'est du tuf et ça se forme très vite. Les tuffières du jardin des fontaines pétrifiantes, elles prennent chaque année à peu près 5 à 10 cm. Le phénomène se fait très rapidement. Ici, cette pierre qui, j'imagine, est facile, c'est pas du beurre, mais c'est facile à découper. On la retrouve un peu partout, cette pierre. Complètement. On a traversé le village de la Saône, vous avez aperçu l'église, vous avez aperçu le château. Tout est fait en pierre de tuf. Là, autrefois, à côté du bateau, il y avait une falaise de tuf. Les anciens l'ont exploité. Ils ont utilisé cette richesse naturelle pour bâtir tout leur village. D'accord. Donc la falaise a été complètement rongée, là. Il en reste juste un petit bout qu'on a aperçu tout à l'heure avec le bateau. Alors, quelles sont les essences? Là, je vois des bambous. Il y a une diversité immense, là, sur le jardin. Complètement. On a des plantes qui nous arrivent de tous les continents. Il y a des plantes tropicales, des plantes méditerranéennes, des plantes aquatiques, des plantes carnivores, des bambous, comme on peut le voir. Alors là, on ne va pas aller voir le jardin de trop près, mais on peut s'y balader. C'est vraiment un lieu où on peut passer la journée. On y passe la journée. On peut prendre son billet d'entrée le matin, sortir déjeuner, y retourner l'après-midi. Pour les adultes, il y a plein de choses intéressantes à voir. Il y a toujours une guide jardinière présente pour vous donner des infos si vous le souhaitez. Pour les enfants, il y a des parcours ludiques assez intéressants à faire. Et il y a quoi, comme un microclimat ici en plus? Exactement, le fait que le jardin soit niché un petit peu contre la falaise, le fait qu'il y ait des sources avec des températures constantes, il y a un microclimat effectivement. Le jardin des fontaines pétrifiantes qui fait partie donc de toutes ces activités avec la grotte de Taïs, avec la grotte de Choranche, avec le bateau, tout cela avec le même lieu de rendez-vous finalement, tout se rejoint. Complètement, tout se rejoint. Merci pour la visite. Je vous en prie. Sur la route du retour, bientôt également pour conclure cette émission tout à l'heure avec l'agenda des spectacles, quelques belles idées de sortie dans notre région, comme la soirée salsa dont on parlait tout à l'heure. Là, je vais me diriger parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, c'est ce bateau. On en a beaucoup parlé. Comment fonctionne-t-il? On va aller voir le capitaine, c'est Eric qui est aux commandes. Eric, je vous dérange 5 secondes, bonjour. Bonjour. Alors déjà ce bateau, on va expliquer un peu en termes de, pas trop technique non plus, mais qu'est-ce que c'est comme type de bateau, quel âge a-t-il, d'où vient-il? Alors le bateau à roues, c'est un bateau à passagers qui propose des croisières touristiques du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, tous les ans. On navigue sur la rivière La Bourne, qui nous arrive du Vercors, et sur la rivière Isère. Voilà, donc c'est un bateau qui a été mis à l'eau en 1991. Il n'a pas été fabriqué ici dans la région puisqu'il arrive d'un chantier naval en Charente-Maritime dans la région de Royan. Et il n'a pas été amené jusqu'ici par la voie fluviale puisque sur la basse Isère, c'est-à-dire entre Grenoble et le confluent de l'Isère avec le Rhône, il y a plusieurs barrages EDF. Ces barrages n'étant pas équipés d'écluses ne permettent pas le franchissement pour les bateaux. À la sortie de son chantier, le bateau à roues a donc été chargé sur la remorque d'un camion et il a fallu une douzaine de jours à ce convoi exceptionnel pour parcourir la distance qui sépare Royan en Charente-Maritime de Saint-Nazaire en Royan dans le département de la Drôme. Voilà, donc il est à flot depuis 1991, on propose des croisières touristiques, on peut accueillir jusqu'à 140 passagers sur deux niveaux comme vous voyez là. Le bateau dispose également de deux postes de pilotage. Le poste du pont inférieur est réservé pour les manœuvres de départ et d'arrivée parce qu'il nous donne une bonne visibilité sur les pontons et il nous permet également de voir les gestes du matelot. Le deuxième poste de pilotage est ici, sur le pont supérieur, et nous l'utilisons pendant les traversées parce qu'il nous donne une vue dégagée sur le plan d'eau, sur les autres usagers et sur les morceaux de bois qui flottent à la surface de la rivière et qui peuvent être assez nombreux, notamment après les dégrillages de barrages. D'accord.
Bon, sinon, y a, j'imagine, pas de difficultés majeures. Vous êtes tout seul, là? Alors, effectivement, à part le club d'aviron de la Saône, quelques plaisanciers, il n'y a pas énormément de navigation sur ce tronçon, qui est en fait qui se limite à deux barrages, hein, celui de Beauvoir-en-Royans et celui de Saint-Hilaire-du-Rosier. Donc là, les principales difficultés, c'est les jours de vent, les jours de grand vent. C'est un bateau qui a beaucoup de prise au vent et qui demande une petite prise en main particulière ces jours-là. Mais sinon, voilà, comme vous voyez, c'est plutôt agréable de travailler ici en pleine nature. Voilà. Merci Eric, je vous laisse poursuivre cette visite. On est donc bientôt rendu là. Là, dans une vingtaine de minutes, on sera de retour au port à Saint-Nazaire-en-Royans. Merci Eric, merci capitaine. Je vous en prie, bonne croisière. Et nous écoutons un jeune rappeur, Romané Ryan, Airline, qui a largement dépassé les 20 000 vues sur YouTube avec ce titre. Je précise qu'il a lui-même réalisé son clip. 5 heures, je trouve toujours pas le sommeil. Je m'enflamme pas, je veux pas me brûler les ailes. Je vais rejoindre ma petite, schizo souk ma bon appétit. Je l'aperçois à l'horizon, je me pose beaucoup trop de questions. Mais je la valide pour toutes les saisons. Elle me kiffe, elle a bien ses raisons. On est en totale connexion. Je vais me mettre dans le feu de l'action. Elle sait que ça va se finir à la maison. C'est mon cocktail, saveur fruit de la passion. Tu me dis que nos regards se sont croisés tout à l'heure. T'as reçu un coup de foudre ou plutôt un coup de taser. Je viens te récupérer, sois prête dans un quart d'heure. M'en veux pas si je te fais poireauter, je suis jamais à l'heure. Jamais épuisé du kérosène dans le moteur. Je suis pas comme tes ex, t'inquiète, moi je serai à la hauteur. Je te ferai pas de fleurs, non, je te ferai pas de fleurs. Aie confiance en moi, fais-moi confiance, n'aie pas peur. On a marché toute la nuit, qu'est-ce tu dirais d'un dîner? Tu me sautes déjà dans les bras, t'es pressé. J'ai pas prévu de chandelle ce soir, on est seul. Et je marche seul dans le noir. Mais solo c'est dur d'y voir. Ne me tiens pas du regard. Plus le temps passe et plus je vois que je me perds. Non, ne va pas me présenter à ton père. C'est pas avec toi que je voudrais faire la paire. Je veux juste profiter ce soir de tes pères. Tu veux faire un tour, chérie, pas de problème. Enfile ta veste et viens, je t'emmène. Tu cherches ton sac, n'oublie pas ton fun tel. Je veux que tu sois fidèle, ignore un tel et un tel. T'as passé la moitié de la soirée dans mes bras. Si ça part en couille, ce soir ça se passe sous les draps. Ce soir, le chétan est là, c'est la folie. Tu voudrais voyager, je te ferai planer jusqu'à Bali. 2-3 verres de love, parasasié, on se resserre. Il est 1h50, nuance degré, on se révère. Tu peux pas l'abandonner, gros son corps. Retour sur la terre ferme pour la conclusion de ce nouveau numéro de Et si on en parlait, avec une épreuve, un raid nature qui a lieu en ce moment sous nos yeux ici à Saint-Nazaire-en-Royans. On court à pied, on fait du canoë et on pratique les sports de plein air ici tout autour. On va parler d'idées de sortie justement, plutôt musique, concert, avec Tiffaine Mercier. Bonjour Tiffaine. Bonjour Patrice. Qui nous présente l'agenda en Drôme, en Ardèche, surtout le secteur de Valence. On va commencer par quoi d'ailleurs? Alors on va commencer par un spectacle qui s'appelle Artefact. Donc ça se déroule le 4 et 5 mai. Ouais. Luxène National de Valence. Donc c'est Joris Mathieu et donc son équipe artistique qui vont plonger le public dans une expérience en rapport avec les objets. Ouais. Donc en fait, c'est une combinaison entre le théâtre, la technologie et la robotique. Donc l'histoire, ça raconte un homme et une intelligence artificielle qui vont se rencontrer et cette intelligence artificielle va apprendre de l'homme. Sauf qu'au fur et à mesure du spectacle, l'homme en général va partir. Et donc l'intelligence artificielle se retrouve seule, sans repère. Et donc c'est tout au long cette histoire du spectacle. Donc
c'est vraiment là la question de notre rapport avec les images, les objets. Est-ce que nous sommes spectateurs ou acteurs du monde qui se construit? Donc vous pouvez bien sûr retrouver tous les tarifs et les avis différents de ce spectacle sur Facebook, sur le lien. C'est le luxe alors à Valence, hein, la scène, le luxe. Oui, c'est ça. Quoi d'autre encore? Alors ça c'est pour dans quelques jours. Oui, et puis... voilà, c'est bientôt. Alors ensuite on a du sport avec le tournoi de badminton le 13 et 14 mai au gymnase Pierre Mendès France. Ouais. Donc c'est un tournoi international qui va mélanger des élites, des débutants et même du para-badminton. Mmh. C'est-à-dire au total 29 terrains de badminton où pourront s'affronter les différentes équipes. Donc c'est simple ou double, à la clé de nombreux lots pour les finalistes et les gagnants. Okay. On aura également une buvette, donc sur tes deux jours, ambiance très chaleureuse et tout ça. C'est pour les fous du volant, ça. Voilà, donc les années précédentes, il y avait déjà 700 joueurs, donc on en attend Ils seront nombreux, puis il y aura du public là, après Exactement. L'appel qu'on vient de lancer. Quoi d'autre encore? Alors, le dimanche 14 mai, la Rainbow Color, donc à Valence, donc la course tant attendue. Donc, c'est une course de 5 km, non chronométrée, donc c'est très important. C'est vraiment sans prise de tête, très chaleureux, en famille. Donc on peut s'inscrire individuellement, en famille, c'est bien avec les copains aussi, ça. C'est très bien. Donc en fait, le principe, c'est une course de 5 km où tout au long du parcours, des obstacles? Non, pas des obstacles, mais de la poudre colorée vont se jeter sur les participants. Donc le départ est à 14h. Il y aura 4 packs de participants pour un peu... pour ne pas encombrer le parcours, en fait, c'est ça. Et à partir de 14h30, un DJ Energy Extravagance sera là pour ambiancer la journée, tout ça, donc une buvette. Pour l'avoir déjà connu, c'est vrai que ça, voilà, c'est, ça envoie bien. Ouais. Ça envoie la musique et tout, donc c'est pour clôturer un peu cette journée de folie. Et surtout, la course est en faveur de l'association Cassandra, donc contre la leucémie. Donc chaque année, Rainbow Color s'associe avec une association, donc les bénéfices seront reversés. Quelle date alors ça? Le 14 mai, okay. Donc c'est le dimanche 14 mai, donc dans deux semaines. Bon, ensuite? Ensuite, alors, c'est le musée de Valence qui propose un dimanche au musée. Donc en fait, c'est un dimanche par mois. Donc là, le prochain dimanche sera le 11 juin à 15h. Et le musée en fait propose la découverte du musée, donc pour apprendre les différentes collections, pour voir un peu tout ce que le musée propose, avec différentes thématiques, donc on pourra poser les questions qu'on veut, plus de doutes sur le musée. On aura plus de secrets. Musée de fond en comble. Voilà, exactement. Et ça permet de varier son dimanche et de le rendre un peu plus original. Et puis bah pour terminer, c'est le dernier? Pour terminer, alors ça sera le 24 et 25 mai, donc sur l'aire de repos Saint-Rambert d'Albon. De l'autoroute A7. Voilà, le festival Réverbère. Donc qu'est-ce que c'est? Un festival sur une aire d'autoroute, c'est peu commun quand même. Alors c'est... le festival propose justement, il y aura deux scènes où il propose quatre groupes au long de ces deux jours. Donc c'est pour prolonger un peu le temps de repos sur l'autoroute, pour passer un bon moment sur cette aire, tout et ça. Écouter donc, de la bonne musique. Et écouter de la bonne musique. Plutôt rock. Donc il y aura une scène extérieure où justement ça sera du rock, donc là où il y aura l'air de pique-nique, et une scène intérieure où justement ça sera plus calme, plus acoustique, vraiment pour tous les goûts. D'accord. Sur l'aire d'autoroute, Réverb Air comme aire d'autoroute. Exactement. À Saint-Rambert d'Albon. Et d'ailleurs, ça tombe à point nommé, ce sera notre prochain rendez-vous sur Mistral TV pour « Et si on en parlait ?» Ben on va en parler de cette manifestation assez originale sur une aire d'autoroute, franchement. Hein, et avec les protagonistes, avec les groupes musicaux qui seront en notre compagnie. On regardera des clips, on les verra sur scène, etc. Merci Tiffaine. Ben, merci Patrick. Rendez-vous sur place là-bas le mois prochain. Oui, bien sûr. Merci. Merci. À la prochaine fois.